Bonsoir. C'était un réel plaisir. C'était un réel plaisir de recevoir ici l'ambassadeur plénipotentiaire de la France au Mali. J'ai nommé Christian Rouillé. C'est la première fois que vous laissez vous recevoir un ambassadeur. C'est un grand honneur que vous venez de nous faire. Que Dieu vous en bénisse. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous avez honorablement servi le Mali. Je vais vous appeler ambassadeur Christian Rouillé, le libérateur. Le libérateur, celui qui a manipulé, celui qui a organisé, celui qui a informé pour qu'aujourd'hui, chrétiens et musulmans, Tamashek et Peul, Sonraï et Bambara puissent s'associer au Mali. Je vous prie d'applaudir encore le libérateur. La communauté de Wolesebougou, toutes les communautés de la commune de Wolesebougou, les 44 villages, sont représentés ici aujourd'hui. Les 44 chefs de village de la commune de Wolesebougou se sont fait représenter ici aujourd'hui pour venir dire merci à la France à travers le libérateur, à travers l'ambassadeur Christian Rouillé qui nous fera le plaisir de transmettre au peuple français d'avoir envoyé leurs soldats mourir dans le désert malien pour la liberté du Mali. Nous demandons à l'ambassadeur de transmettre notre très profonde gratitude au peuple français, surtout à son excellence François Hollande, le président de la République française. Nous ne pouvons pas imaginer les conséquences si la France n'avait pas promptement répondu au cri de cœur du président de la République française. Imaginez-vous des hommes dans des pick-up qui nous disent comment prier et à quel Dieu prier. C'est l'image effroyable qui se serait peinte au Mali si la France n'avait pas agi en ami, si la France n'était pas intervenue pour sauver la démocratie, la liberté et l'État malien. Nous vous en remercions. Je viens de Tombouctou le dimanche passé, le colonel Keba Sangaré, qui est le commandant de la 5e zone militaire de Tombouctou, m'a fait un geste qui m'est allé droit au cœur. Il m'a remis un drapeau malien. Pour ce que les maires sont en train de faire et combien les maires seront essentiels pour le maintien de la paix que la France va léguer entre les maires du peuple malien. Il a dit ceci: je vous remets ce drapeau, monsieur le maire, premier vice-président de l'association des municipalités du Mali, pour que la paix pour laquelle nous nous battons dans le désert, pour que vous puissiez la maintenir des années durant et que jamais, plus jamais, ce que nous avons connu ne se répète. Ce drapeau est un grand honneur, mais je ne pourrais l'accepter aujourd'hui parce que je vois que Christian Rouillé, ambassadeur de la France au Mali, a été un acteur plus habile, un acteur plus impliqué dans le processus de non seulement combattre les ennemis, mais aussi de préserver la paix au Mali. Je me permettrai, monsieur l'ambassadeur, si vous voulez bien recevoir ce drapeau malien. Levez-vous, s'il vous plaît, malien. Je suis le malien. Je vous transmets ce drapeau qui est notre profonde, qui représente notre profonde gratitude pour le sang français versé, pour qu'un chrétien puisse se lever un jour et dire que le Mali est mon pays.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez fait un effort incroyable et accepté ce humble cadeau en guise de notre gratitude, de ma propre gratitude envers la France. Je vous remercie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, rarement je suis ému, et je vous parle de mon cœur. J'ai évité le discours très habilement préparé pour moi. Je vais aussi vous présenter ici au nom des 44 chefs de village de Wolesebougou. Le certificat de reconnaissance. Une reconnaissance pour le sang versé des soldats français sur le sol malien. Une reconnaissance pour l'effort personnel que vous avez subi et consenti. Pour les nouilles blanches que vous avez vécues pour le Mali. Nous vous remercions, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Population de Wolesebougou, applaudissez l'ambassadeur Ouvrier. Population du Mali, applaudissez Christian Rouillet, s'il vous plaît. Aujourd'hui, 26 mars 2013, journée commémorative de la bataille que nous avons gagnée sur la dictature. Journée commémorative de la bataille que nous avons gagnée pour instaurer la démocratie. Aujourd'hui est un jour symbolique pour le Mali entier. En 91, j'étais encore étudiant à l'INSUP, École Normale Supérieure de Bamako, quand nous avons décidé que trop, c'était trop, 23 ans de dictature étaient finis. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, j'aurais souhaité qu'on s'asseye dans différentes circonstances aujourd'hui, que le Mali soit une démocratie florissante, que le Mali soit un modèle de démocratie, que cette démocratie serve les peuples du Mali, que chaque enfant du Mali ait l'occasion d'aller à l'école dans son propre village, que chaque femme enceinte du Mali ait l'occasion d'accoucher dans une maternité qui n'est pas à 17 km de chez lui. Que chaque femme et que chaque chef de famille ait l'opportunité d'offrir 3 repas. Que cela ne soit plus un luxe. C'est ce Mali que nous avons rêvé en 91. C'est la vision de la démocratie en 91 qu'on nous a reflété. Mais aujourd'hui, quand je suis né il y a 40 ans, le Mali était un pays très pauvre. À 44 ans aujourd'hui, je suis un jeune leader d'une commune rurale dans un pays très pauvre. Non seulement pauvre en richesse, mais aussi pauvre aujourd'hui en leadership. Excellence, monsieur l'ambassadeur, le Mali n'est pas un pays pauvre en richesse. Le Mali est le deuxième producteur d'or en Afrique. Les braves populations du Mali sont 7e producteur du coton dans le monde. Nous travaillons dur. Le Mali est simplement pauvre en ceci, en leadership. Le Mali est pauvre en leadership. Nous avons grandi entre les mains de ces jeunes politiques qui sont aujourd'hui vieillissants. Il est temps qu'on regarde une nouvelle façon de gérer ce pays. Il est temps qu'on essaye ceux-là même qui ont couru les rues pour apporter la démocratie. On peut essayer la nouvelle classe politique. Elle réussira parce qu'elle a vécu l'affre de la pauvreté. Elle réussira parce qu'elle fait partie des victimes des 20 ans de démocratie que le Mali a connu. Excellence, monsieur l'ambassadeur, le 26 mars que nous célébrons aujourd'hui, dont les Maliens étaient fiers il y a 23 ans, dont certains martyrs en ont sorti, monsieur l'ambassadeur,
était l'expression d'une vision nouvelle. Aujourd'hui, nous acclamons. J'ai entendu les jeunes de l'association qui étaient là. J'ai entendu le chef de village de Wolesebougou qui a répété le cri du président de la République. Nous dépendons de la France. Nous dépendons des armées africaines qui existent ici pour maintenir notre pays. Cela ne se doit pas. Je vous dis, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qu'à Wolesebougou, aujourd'hui, comme les jeunes l'ont dit, nous posons les jalons d'un nouveau Mali. Nous posons les jalons d'un nouveau Mali. Vous avez travaillé dans ce sens-là. Vous ne voulez pas revenir au Mali après avoir fait retourner les soldats français. Vous voulez remettre à ce pays un état de sécurité qui nous aidera à développer le Mali. Et cela ne se fera que quand le Mali sera légué entre les mains des jeunes ou entre les mains des leaders qui se soucient du développement, du devenir, de l'éducation, de la santé, du développement économique de ce pays. Je vous dis ceci, nous sommes résolus. Les jeunes maliens sont résolus. Les peuples maliens sont résolus de ne plus vivre dans la pauvreté. Nous sommes résolus d'être les acteurs du choix des leaders qui vont arriver. Nous ne nous laisserons plus. Nous ne laisserons plus faire ceux qui ont déjà échoué dans la conduite des affaires de la cité, des affaires du Mali. C'est ce Mali que le monde entier voudrait voir aujourd'hui. C'est ce Mali que la France voudrait voir aujourd'hui. L'union sacrée, nous pouvons le faire au Mali. Nous pouvons l'avoir au Mali. Pour preuve, dans la commune de Wolesebougou, je vais vous témoigner. On a fait un bond, un grand bond les trois dernières années. À Wolesebougou, avec la coopération décentralisée qui nous lie avec la ville de Pointe-Ivy, avec le soutien de la France. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous avons de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et nous remercions l'Agence française de développement pour nous avoir apporté de l'eau. Chaque famille de Wolesebougou aujourd'hui peut s'accueillir de l'eau fraîche, de l'eau potable dans la cité de Wolesebougou. Qu'est-ce que cela veut dire? La réduction des maladies diarrhéiques, l'augmentation de l'espérance de vie dans ce sens. Merci pour l'eau, merci pour la vie, l'Agence française de développement. Pointe-Ivy nous a donné des écoles. L'école magnifique qui est à Tintou, dont les briques ne sont pas faites au Mali. Les briques ont été façonnées en France, transportées jusqu'à Bamako et à Wolesebougou pour construire des briques préfabriquées qui constituent l'école de Tintou. Ils ont éduqué les enfants du Mali depuis Pointe-Ivy, qu'ils en soient remerciés. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, la France nous a donné la santé. Pointe-Ivy a construit un centre de santé que vous aurez l'occasion de visiter. Aujourd'hui, il y a deux jeunes de Wolesebougou. Chose unique, même en France, que le département de la santé est autorisé, que l'école des infirmières de Pointe-Ivy offre deux bourses pour deux jeunes de Wolesebougou pour aller faire cette école qui leur permettrait, s'ils le désiraient, de travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne en tant qu'aide-soignant ou infirmier ou infirmière. Mais nous souhaitions qu'ils reviennent après cette formation pour prodiguer des soins de qualité à la population de Wolesebougou. Merci pour cette formation de qualité. Aussi, dans chaque village, dans chacun des 44 villages de la commune de Wolesebougou, Pointe-Ivy a financé les frais de réparation de toutes les pompes qui étaient tombées en panne. Cela a permis d'offrir de l'eau potable à chaque village de la commune de Wolesebougou. La liste est assez longue. La liste de fruits de la coopération décentralisée entre Wolesebougou et Pointe-Ivy est longue. La liste
des réalisations de notre partenaire français dans la commune de Wolesebougou, elle est longue. Nous nous permettrons, au nom de ces 44 villages, au nom des chefs de village de ces 44 villages, au nom des enfants de ces 44 villages, de dire à nos amis de Pontivy merci, mais de dire aux chefs de la diplomatie française, à la personne de Christian Houllier, nous vous remercions vivement. Et je vous prie d'applaudir Christian Houllier qui va nous adresser un mot. Applaudissez s'il vous plaît.